Salut, c'est Lastangel. Alors, on se retrouve sur ce qui est pour moi le kiff absolu, le summum du bonheur, une partie de billard entre potes. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un cadre super agréable, la petite musique qui va bien, et en fait, on a tout ça réuni dans ce jeu magnifique, merveilleux, qui s'appelle Pure Pool. Regardez-moi la pureté de ce tapis, c'est marqué là, hein, pur. Hein. Regardez-moi les boiseries de la table, elles sont absolument magnifiques. Le cadre est vraiment, vraiment sympa. Il y avait un pub comme ça près de chez moi, à une époque. Je passais beaucoup de temps. Alors, l'ambiance est très, enfin, moi je trouve très british, mais moderne. Et c'est pas trop gardé, c'est juste un peu, c'est normal ce genre de lieu où on est entre gens de bonne compagnie, j'ai envie de dire. Non pas que les gens qui ne fréquentent pas ce genre d'établissement ne soient pas de compagnie, soient pas de bonne compagnie, mais voilà, il n'y a pas une voix plus haute que l'autre, les gens sont tranquilles, on voit la petite animation des gens qui sont là pour passer du bon temps, se divertir, se détendre, pas être abrutis, et se retrouver loin du speed de cette folle vie qu'on mène. Et c'est un cadre, moi, que je trouve vraiment, 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 et bien rendu, et réaliste, et surtout, surtout, très, très sympathique. Alors, ce jeu, je l'ai eu sur Steam, et je vais vous dire son prix. Oui, si, je vais vous dire son prix. Je l'ai eu gratuit. Oui, si, tout à fait, je l'ai eu gratuit. Je ne sais pas si vous avez suivi, ça se termine demain, donc j'espère, j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos avant, j'en suis désolé. Il y a des enchères actuellement sur Steam. Alors le principe des enchères Steam actuellement, c'est vous avez des objets dans votre inventaire, vous savez, des émoticônes, tout ça, dont on se sert jamais, ou des cartes à échanger que vous avez en trop, alors c'est pas ce qui est le plus intéressant, les cartes à échanger. Là c'est pas une vraie partie, hein, on est en train de faire, en fait, là il n'y a pas de joueur contre moi, rien du tout, je suis juste en train de rentrer, je rentre des boules. Jusqu'à maintenant, des parties contre un vrai joueur, j'en ai fait juste une tout à l'heure. C'est ce qui m'a décidé d'ailleurs à vous faire cette vidéo pour vous présenter ce jeu, parce que je me suis dit qu'il faut vraiment que je leur montre. Déjà d'une part parce que de base il est pas très cher, il est à 9 euros je crois si je dis pas de bêtises. À partir de demain 19h, il y a les soldes. Les enchères dont je vous parlais se terminent demain à 19h et il y a les soldes qui enchaînent derrière. Donc pour en revenir donc aux enchères dont on parlait tout à l'heure. Alors on va rentrer celle-là parce qu'elle est très tentante. Et puis surtout on va faire un petit effet rétro pour essayer de bien revenir en arrière. Et pouvoir en rentrer d'autres qui sont dans le coin. Voilà, ça c'est pas trop mal. Alors, rassurez-vous, hein, je vais pas faire des prouesses techniques. J'ai beau avoir passé beaucoup de temps, alors presque tous mes samedis soirs à une époque, dans un pub, il n'empêche que je suis un joueur plutôt médiocre. Probablement pas très doué pour ce genre de choses. Je suis pas beaucoup plus doué sur un billard électronique, mais l'important n'est pas là. L'important c'est de passer du bon temps. Aïe aïe aïe, elle va tomber, elle va tomber. Non, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. L'important c'est de passer du bon temps, voilà, de se faire plaisir avec une activité qu'on aime, même si cette activité n'est pas clémente avec nous et ne nous rend pas forcément la tendresse et l'affection qu'on a pour elle. Et ça c'est valable pour tout dans la vie, hein. L'essentiel c'est de profiter, on n'est pas là sur Terre indéfiniment. Faut essayer de profiter un maximum des bons moments que la vie nous propose. Et ça, moi, ça fait partie des moments que j'adore, que j'adorais. J'ai encore une fois malheureusement plus l'occasion de m'adonner à ce genre de truc avec les potes ou les amis qui ces temps-ci se font assez rares, je veux dire. Alors, on va y aller tranquillou. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu ce pur pool qui, à mon avis, vaut le détour. Alors, après, on va faire une partie contre un joueur, hein, quand même, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est un jeu qui est très très orienté pour jouer en ligne. Donc, s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui possèdent ce jeu, il n'y a pas de souci. Moi, je jouerai avec si la personne, enfin, si les gens qui le possèdent auront envie de jouer avec moi. À mon avis, je pense qu'ils vont avoir envie de jouer parce que je suis tellement mauvais que ça va leur permettre de gagner des parties facilement et d'améliorer leur stats. Non, je déconne, je suis pas trop trop
Bon, là, on va essayer de faire un truc qui, à mon avis, ne va pas passer. Je vais taper la 12 en la verte, qui devrait pousser la bleue, qui va peut-être, ça se trouve, éventuellement rentrer avec énormément de bol. Alors, c'est à moitié calculé. Hein. Alors, faut pas trop la prendre parce que. Alors, pas trop que je la prenne. Faut que je la prenne vraiment. Parce que là, celle-là, après, là-haut. On va voir si. Oh là là, bah non, putain, j'ai tiré comme une mouette. Bah non, franchement, là, j'ai mal évalué. Là. Mais je ne l'ai pas bien encore en main, hein, là, le jeu. Ça fait. Ça doit être la quatrième partie que je fais dessus. Donc, j'ai pas encore bien la sensibilité de la queue en main. Dans les jeux de mots, vous avez évité ça tout de suite. Là, je vais quand même en profiter pour jeter un oeil si des fois, par hasard, il n'y aurait pas une belle. Le gros cliché habituel, quoi. Tu sais, une belle petite blonde aux yeux bleus qui se traînerait dans le coin, qui regarderait vers moi, ou même, encore mieux, une brune aux yeux verts. Magnifique. Avec du caractère, tu vois, c'est type espagnol un peu. Et évidemment, naturellement, des formes extrêmement généreuses. Donc, on va revenir à notre billard, parce que c'est ça, hein, au départ, on était là-dessus, hein, au départ, hein, avant que je commence à partir dans un délire machiste absolu. Ah là, j'ai pas tapé assez fort, bien sûr. Évidemment, nature riche. C'est pour ça que je m'entraîne avant de nous en faire une quand même sur contre un adversaire qui va me mettre une raclée. Ah, c'est ça que j'ai entendu la petite musique tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Il y a un mec qui me défie là. Mais je suis pas là pour ça, bonhomme. Je sais ce que je ferai sûrement des défis avec toi plus tard. Mais là, pour l'instant, je suis en train d'essayer de faire une vidéo pour montrer aux gens ce jeu qui, à mon avis, encore une fois, je l'ai déjà dit. Vaut le détour. Alors, ne serait-ce que pour ça, merde, ça bande son, restez un peu fort aussi là. Ça bande son, ses graphismes et surtout le toucher de balle. Franchement, là ça se voit peut-être pas dans la façon dont je joue là actuellement, mais encore une fois, je ne l'ai pas complètement en main. Mais le toucher de balle est vraiment, vraiment, j'ai jamais vu un toucher de balle aussi bon sur un billard. Alors ça explique peut-être pourquoi c'est un jeu qui est extrêmement orienté, enfin qui est très orienté multijoueur. Bon, là, ça va pas le faire ça. Parce que à mon avis il doit être très très proche d'un excellent simulateur, plus que d'un petit jeu de billard classique. Là on va essayer. Non, ça passera pas. Ça ne passera pas. Je suis pas un grand joueur de bande, donc on va essayer, mais elle va pas y aller là. Je voudrais la mettre là, mais elle va pas faire ça. Elle va pas le faire. Oh putain. Oh bah si, mais alors j'ai tiré comme une brute et je voulais pas tirer aussi fort que ça, très honnêtement. J'ai vraiment encore du mal, surtout quand on est au bord. Parce que je me suis aperçu dans la partie juste avant que quand on était au bord, en fait, là, quand on est comme je suis là, la queue se comporte différemment. Parce qu'elle doit frotter en fait plus sur le bord, je sais pas, j'en sais rien. Mais elle se comporte très légèrement différemment du reste du temps, mais ça suffit pour faire vraiment une grosse différence de gameplay. Là, par contre, on va taper comme un ouf là. J'espère la mettre en deux bandes, donc on va voir. Ah merde, ouais, bah, j'ai mis en deux bandes, mais pas la bonne. Bien joué Angel, t'as assuré. Bon alors là on va pas prendre de risque, hein. on va la mettre à un endroit. Alors attends, on va essayer de regarder. Voilà. Je ferai une coupure là parce qu'en fait j'ai l'écran qui est revenu sur le bureau. Je ferai une coupure parce que je ferai une coupure, puis c'est tout. Non mais je fais ce que je veux. Donc là voilà, ça c'est fait, ça devrait y aller. Ok, et puis la noire, bah. On va peut-être arriver à la mettre quand même. En 54 coups, mais on va arriver à la mettre quand même. Alors là, avec cette vue-là, j'ai vraiment du mal à voir, parce que j'aurais aimé qu'il y ait une caméra vue du dessus. Mais en fait, on va se contenter de se déplacer autour de la table, comme on le ferait en vrai, hein, parce qu'en vrai, on n'aura pas de caméra au-dessus qui viendra nous aider. C'est un peu le parti qu'a pris Pure Pool, c'est d'essayer d'être le plus fidèle à ce qu'on peut faire en vrai autour d'un billard. Donc voilà, on va essayer de la prendre vraiment au bord. Pas trop. Faut pas qu'elle soit du tout. Enfin, faut vraiment la frôler, mais en même temps. Ah non, tu vois, elle est trop pleine. Elle était trop pleine. Bon.
Bon, puis après on va se lancer dans une partie. Si vous avez un petit peu de temps pour voir comment ça se passe contre un autre joueur. Allez, je pense que ça devrait le faire là. Ah non, putain, pas assez fort encore. Là, des fois, j'ai pas eu. Soit je vais faire trop fort, soit je vais faire pas assez fort. Mais c'est pas le jeu qui est pas bien, hein. C'est moi qui ai pas encore le truc en main. Là, je voudrais bien souffler dessus si tu veux, mais on peut pas. Donc, le jeu ne prend pas encore en charge ce genre de choses. Voilà. Bon, allez, on va se lancer pour une partie. Une vraie. Enfin, une vraie. Pas contre un. Pas en multijoueur, mais on va faire ça. Mes parties, on va faire ça en entraînement en ligne. Voilà. Donc là, on va jouer contre un apprenti qui est quand même niveau 14. Alors que moi, je suis niveau 0. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée là, c'est de choisir. Donc, la première balle qu'on va rentrer, si elle est pleine, ben, on aura toutes les pleines à rentrer. Si elle est rayée, on aura toutes les rayées à rentrer. Donc, on va observer la table. On va regarder celles qui sont le mieux placées. À savoir donc celles qui sont les plus faciles à rentrer, celles qui sont les mieux dispersées, qui vont nous donner en fait le plus d'opportunités, le plus de possibilités. Là, moi, j'ai l'impression que c'est, j'ai envie de dire kiff-kiff, hein, entre les rayées et les plaines. Ah, je vais peut-être prendre les plaines quand même. Ouais, j'ai envie de prendre les plaines. Donc, on va prendre les plaines. On va commencer par rentrer celle-là si elle veut bien y aller. On va y aller tranquillou, pas trop fort. Voilà. Non, pas celle-là, la bleue, s'il te plaît. Je préfère rentrer la bleue. Ah merde, la bleue, elle va pas y aller. Bien sûr. Et je me suis positionné comme une buse. Parce qu'au billard, ce qui est super important, c'est ça, c'est de se positionner pour le coup d'après. Parce que rentrer une balle, c'est super facile. Par contre, rentrer toutes les balles en un minimum de coups, c'est déjà moins évident. On va essayer de rentrer la jaune en cédant de la bleue. Ce qui est franchement pas gagné. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Soit parce que la bleue on va la rentrer, ça c'est sûr, mais enfin c'est sûr qui est pas ouais, la bleue on va la rentrer, ça c'est une évidence. Je vais me repositionner pour la orange qui est là, et après ça me permettrait de rentrer la marron qui est là pour après enchaîner sur celle là qui est là. Tu vois, déjà le mec il prévoit, tu vois, l'avenir, c'est à dire le mec il a prévu l'avenir. Ça y est, il a mis déjà plein de boules dans sa tête à lui, tu vois. Alors on va pas y aller trop fort. Ah non non, elle monte trop la salope. Ne monte pas. Ah putain, bah ça du coup, tu vois, ça me foire complètement mon truc. Dans ma tête à moi, ça se passait pas comme ça. Bon, alors on peut peut-être se rabattre sur la orange. Là. Ça doit être jouable si on se ramasse. Est-ce que tu peux te décaler encore un petit peu, s'il te plaît? Ah, c'est S, pardon, pour viser, excuse-moi. Ouais, mais bon, je pense que comme ça, ça devrait le faire. Qu'est-ce que... Attends, je peux plus... C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, merde, je peux plus bouger. Ah merde, ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé en fait le. Ah ouais, j'ai inversé les boutons de ma souris. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Hein. Ouais, merde, elle va rentrer la blanche. Merde, putain. Bon, bah vas-y, Rice Morgan, 14e du nom là. Le mec, il. Il va... bah, en même temps, s'il fait le ménage là autour de la verte, ça m'arrange. Non, tant pis. Alors, ok. Donc, il m'a pas trop fait le ménage autour de la verte. Ce qui est tout à fait dommage. Encore ce retour bureau, je m'en excuse.
J'essaierai de voir plus tard d'où ça vient, cette hérésie. Alors, merde, là on est mal parce que... on est mal. Là, Ima, comme qui dirait, j'ai envie de dire, peut-être pas snooker parce que... J'ai peut-être quand même la possibilité de mettre la marron, là, voilà. Voilà, c'est bon. Alors du coup, on va peut-être pouvoir taper dans la orange si elle n'avance pas plus que ça, là. Ouais, non, mais la orange, ça va pas m'arranger, ça. Ouais, j'arriverai pas à sortir sa violette. Donc, je vais me servir de la verte pour rentrer, en fait, s'habiller. Je sais plus si j'ai le droit ou quoi. Il y a longtemps que j'ai pas joué. Mais ça me permettra de faire de la place aussi pour ma... Alors, je vais faire un coulé. Un coulé, en fait, c'est quand on met la queue, voilà, vers le dessus. Pour indiquer en fait que la blanche, on veut qu'elle continue sur sa lancée après par la suite, plutôt qu'elle rebondisse. Je vais essayer de la faire pousser, continuer à pousser la verte en fait après, ce qui est pas du tout garanti. Hein. Ah merde, tu vois, elle a tellement bien coulé en fait, tu vois, elle a été avec l'autre. C'est ballot. Je trouve que l'ambiance musicale est vraiment bien réussie. Alors là, on va juste terminer cette partie-là, puis après on va arrêter pour cette première vidéo sur Pure Pool. Mais je vous ferai une vidéo un peu plus complète pour vous montrer les différents modes de jeu. Parce que j'ai jeté un œil vite fait, on peut évidemment collectionner tout un tas de queues, des tapis pour les billards. Je sais pas encore si on a le droit à plusieurs salles ou si on va être cantonné toujours à cette salle-là. En tout cas, déjà, celle-ci est superbe. Alors, là, il faudrait que j'arrive à me mettre... Parce qu'après, il me reste la orange, donc il faudrait que je revienne. Voilà, le retour bureau commence vraiment à m'agacer. Je sais pas de quoi ça vient. Alors... Allez, arrête-toi. Putain de salope. Ouais, s'il te plaît. Merci. Pardon, excusez-moi, j'ai été un tantinet, comme qui dirait. Vulgaire, moi-même. Grossier. Alors, attends, ce qui m'intéresse, c'est la noire. Elle est là. Faudrait que je reste un petit peu avec la blanche par ici, quand même. Pour emmener la noire ici, peut-être. Ici, peut-être. Hein, rien n'est moins sûr. Alors, pour ça... Il faudrait, encore une fois, que j'avance un peu avec la... Avec la blanche, mais pas trop quand même. Et là, faut taper suffisamment fort pour que elle rentre et que elle continue, mais pas trop. Voilà, ça devrait le faire, je pense. Alors là, j'ai mon petit cœur qui tape. Vous entendez, c'est bien foutu, j'aime bien. Alors je me tâte. Est-ce que je le mets là? Dans la haut, c'est pas la peine d'y penser. Ça va être là. C'est stressant là, le cœur qui tape, franchement là c'est stressant. Naturellement je pense que c'est voulu. Là on va faire un petit effet rétro pour pas qu'elle aille dans le trou là-bas. On va essayer. Ah merde, c'était pas. Il y a quand même 4 billes à rentrer. Bon, ça me laisse de la marge. Mais bon, je lui fais confiance, il est quand même level 14, hein. Je suis level 0. Ah oui, ben, il est vraiment mauvais. Il a dû avoir son petit cœur qui a tapé aussi, lui. Non, mais ça va, c'est bon, ça va rentrer, là. Arrête ton cinéma. Allez, hop. Donc, on va... Pareil, j'adore les effets rétro, je sais pas pourquoi. C'est bon. A priori, c'est bon. Voilà. Je dis c'est bon parce que j'ai vu la cinématique se déclencher. Je m'y attendais pas du tout, et je trouve ça super sympa. Franchement... Alors bon, faut vraiment que je m'entraîne, hein. Enfin faut que j'entraîne, il faut que je joue tout simplement à ce jeu qui est tout à fait sympathique et que je vous recommande au demeurant. Donc là, moi je suis en bleu, je crois que c'est clair et je le revendique. Mais en tout cas, je me suis bien amusé, j'ai passé un très agréable moment sur ce jeu. J'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié. Que vous avez découvert ce jeu et qui va vous intéresser. Encore une fois, les soldes démarrent demain, donc ça peut être un bon plan si vous aimez de temps en temps passer un petit moment tranquille
à se détendre vraiment avec une petite ambiance sympa. Et puis le billard, c'est quand même un jeu qui est quand même assez agréable. Je sais bien que de nos jours, ça paraît un peu désuet à côté des Call of Duty, Battlefield 4. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà, je vous souhaite comme d'habitude de prendre soin de vous et des gens qui vous aiment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye. Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Likez, commentez, partagez les vidéos, chef! Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie!